Bonjour à vous tous. Bienvenue au conseil d'administration de la Société de transport, le premier de la séance ou le tiers de l'année. On a été en congé durant la période estivale. Donc, mon nom est Marc Deneau, président de la Société de transport. J'aimerais vous présenter les membres du conseil d'administration, en commençant par la vice-présidente, Mme Geneviève Laroche, Mme Catherine Boileau, et un nouveau membre du conseil d'administration, M. Guillaume Bernard. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure à l'agenda. Mme Joannie Belle-Rose, conseillère municipale. Mme Laure Le Tertre-Lavoie, conseillère municipale. Et aussi M. Patrick Dobson, directeur général de la Société de transport. Et M. Philippe Angers-Trottier, représentant des usagers. Et aussi, on a Mme Dany Grondin qui est avec nous via vidéoconférence. Et aussi, on est accompagné des membres de la direction. On a M. Stéphane Veilleux, directeur général adjoint, et M. Michael Gauthier, directeur général adjoint. M. Philippe, excusez-moi, j'ai tout le temps un blanc de mémoire, Philippe Lucier, directeur du service d'ingénierie et projet. M. Louis Andréneau, directeur du marketing, qualité et services des partenariats. Et Mme Vicky Martineau, responsable de la gestion documentaire. Et la personne à ne pas oublier, Mme Claudie Champoux, directrice des finances. Donc, là-dessus, bonjour. On irait avec l'ordre du jour, lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 8 juin et de la séance du 28 juin. Est-ce que c'est conforme aux décisions qu'on a tous prises ensemble? Merci beaucoup. Adoption de l'ordre du jour, monsieur le directeur général, M. Dobson, y a-t-il des sujets qu'on voudrait rajouter à l'ordre du jour? Il n'y a aucun sujet à ajouter, M. le Président. Merci beaucoup. On s'est rendu au point 4, période des questions des personnes présentes. C'est une période de questions, ce n'est pas une période d'échange. C'est sûr qu'on n'a pas les réponses à toutes les questions sur le banc. Donc, si jamais il y a un problème à vous répondre ou d'informations additionnelles, on va s'assurer de vous répondre. Donc, on va peut-être laisser l'expérience, les gens expérimentés casser la glace. Madame Croteau? Oui. Ça fait partie des projets d'immobilisation de réaménager et agrandir la salle du conseil. N'oubliez pas le micro. Oh, le micro juste en avant de vous, Mme Croteau. Passez ça à votre voisin. Il n'avait jeté un. J'aime bien parce qu'il y en a un qui va manquer. Non, c'est pour votre ami. Merci, mademoiselle. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, Mme Croteau, peut-être vous présenter et l'organisme que vous représentez et les comités sur lesquels vous siégez. Alors, je m'appelle France Croteau, je suis coordonnatrice du RUTA de Sherbrooke, Regroupement des usagers du transport adapté de Sherbrooke métropolitain. Alors, je fais partie du comité consultatif de la STS, là, avec d'autres organismes. Alors, je vais faire ma présentation, ça devrait rentrer dans 5 minutes. Il y a des pièces jointes, c'est pour ça que c'est un peu épais, mais je vais faire les 2 premières pages. OK, le reste, il y a des photos qui vaut 1000 mots. Bon. Alors, d'abord, des remerciements pour la bonne gestion de la période de cyberattaque. Certains autres transporteurs se sont limités à des rendez-vous médicaux. On les a regardés un peu partout, là. Puis l'ouverture de la STS, l'empathie témoignée, le gros travail manuel à la répartition et la volonté de communiquer avec la clientèle est tout à l'honneur de la STS. Le RUTAS en a fait part à l'entrevue avec Radio-Canada Estrie le 15 août. Maintenant, concernant des mesures COVID à la STM,
Nous sommes informés par le SNES que malgré l'abandon par le gouvernement et la santé publique des mesures sanitaires, telles le masque en transport en commun depuis le 18 juin, un employeur peut imposer les masques s'il juge qu'il en va de la sécurité de ses employés. La STM oblige ses chauffeurs de transport adapté à porter le masque lors de l'embarquement et le débarquement des usagers du transport adapté, ce qui inclut au niveau de la loi l'attachement et le détachement des fauteuils roulants, des ceintures et les manœuvres sur la plateforme. Alors, à la STM, il était d'ailleurs le premier transporteur à obliger des masques au début de la pandémie. Alors, bravo pour la STM. Nous avons écrit au président de la STS, M. Deneau, à ce sujet le 11 août, après avoir été informé de cette chose-là et appuyé d'une proposition votée à l'unanimité par notre CA, l'information est jointe dans les papiers, nous demandons à la STS de réfléchir à appliquer également cette mesure, surtout si une huitième vague de COVID s'annonce. Le RUTAS demande cela pour protéger les usagers. Par contre, nous n'approuvons pas l'application par la STM et d'autres transporteurs de la fin des restrictions sur le nombre maximal de passagers à bord des véhicules adaptés des taxis, ce qui inclut un usager à l'avant du taxi. Aussi, là, compte tenu que la majorité des taxis de Sherbrooke sont des Camry ou autres marques de petits véhicules, nous comptons que la STS respecte ses engagements de deux personnes à l'arrière seulement, sauf exception quand c'est le même domicile ou parenté, et nous joignons comme rappel ses engagements en annexe. Pour ce qui est de la place avant dans les taxis, si obligation, le SNES et l'INSPQ recommandent le port du masque des deux personnes, le chauffeur puis la personne. Même l'INSPQ va plus loin, lui suggère une cloison entre les deux, là, mais c'est idéal. Point 3. STM, STAC, bon, Montréal-Québec. Nous sommes inquiets. À cause de la pénurie de la main-d'œuvre, de la hausse des coûts d'exploitation, transport adapté, du sous-financement, les STC commencent à enfreindre les règlements au transport adapté comme le sont appelés à le faire ces dernières années plusieurs transporteurs en région. À Montréal et à Québec, les accompagnateurs facultatifs au transport adapté ne sont plus permis. Un non-respect, c'est un non-respect de la politique d'admissibilité. Le respect de la politique, c'est obligatoire si le transporteur veut avoir le programme de subvention. Alors, c'est une règle que M. Gaston Spooner, je ne sais pas combien de personnes le connaissent, c'est le fondateur de Transport adapté à Sherbrooke, qui était handicapé, il siégeait à l'OPHQ, puis avait fait mettre cette règle-là dans la politique d'admissibilité dès 1983, parce qu'il en avait parfois besoin d'un accompagnateur, puis d'autres fois pas besoin. Alors, aussi, ce qu'on a vu, lu, des limitations sont imposées pour les transports métropolitains pour les gens à Montréal. Alors, c'était depuis 1998 avec l'AMT. Montréal était obligé d'amener les gens à Laval puis à Longueuil. Puis quand ils revenaient, bien, c'était Laval puis Longueuil qui ramenaient les gens. Mais c'était obligatoire. En 1998, les personnes handicapées avaient gagné ça parce qu'il y avait de la discrimination. En gros autobus, tu pouvais aller à Laval, mais au transport adapté, tu ne pouvais pas y aller. Mais là, ils limitent les voyages régionaux à Montréal. Puis, à Québec, ce qui se passe, c'est qu'ils réinstallent les motifs, donc de façon systématique. Or, la commission des droits s'est déjà prononcée contre les motifs de façon systémique, c'est-à-dire parce que c'est des loisirs. Alors, les médias, je vous ai donné un article, ils en parlent. Mais la STS respecte habituellement les règles, surtout quand on l'informe d'un accro à ce qui est écrit dans les lois quand ça arrive, mais ça n'arrive pas souvent. Alors, surtout quand il y a de la transparence, alors ce n'est pas les habitudes de la STS de ne pas suivre les règles, surtout les règles d'admissibilité. Alors, la STS a bien géré la cyberattaque. Alors, nous avons confiance qu'elle ne touchera pas à la politique d'admissibilité tant que le MTQ ne changera pas.
Et les photos, pour conclure, vous avez des photos à la page 3 et 4. C'est des arrêts bus qui ne sont pas protégés. Fait qu'il y a des autos. Fait que les personnes, ils débarquent dans la rue. Moi, j'en vois, c'est mon chemin. Puis la page 4, vous voyez des attaches, des ceintures qui ont un appareil pour pouvoir baisser où est-ce que ça tire. Donc, ça serait peut-être bon pour vos bancs qui sont dangereux là, dans les nouveaux minibus. Puis vous voyez la photo aussi d'un petit, panneau qu'on met avec les barres jaunes. Nous autres, Nicole et moi, Nicole Couture et moi, on a fait la ville, là, puis on a trouvé plein de barres jaunes des fois. Puis il y avait toujours ce petit panneau-là. Alors, s'il y en avait un au coin Wilson et Prospect, ça pourrait aider aussi. Puis merci aux chauffeurs qui, avant de partir, ils rouvrent leurs fenêtres dans l'urbain. Ça, c'est bien pour faire de l'aération. Voilà. Beaucoup de questions ont été posées. Monsieur Veilleux, je suis convaincu, va s'assurer que les réponses soient amenées au comité de travail sur lequel vous siégez. Et quand vous parlez de la situation du transport adapté ailleurs, on sait que Montréal, avec les nouvelles normes au point de vue de taximètre, l'augmentation qui ont aussi été donnée, ça représente juste eux seuls, c'est tout près de 15 millions de déficits qui envisagent pour le transport adapté. Mais à Sherbrooke, ce n'est pas la même situation. Et je peux vous dire qu'on module, puis on se parle sur une base régulière sur les scénarios et les opportunités qu'il peut y avoir. Donc, soyez pas inquiets. On s'assure de maintenir le service. Et comme vous avez pu voir au mois d'août, je pense que ça a été le plus bel exemple de dynamisme et de synergie qu'il peut y avoir dans l'organisation pour s'assurer de continuer. Puis que lorsqu'on a parlé ensemble, on a parlé de services essentiels, puis on l'a même élargi, quoi, 72 heures après. Donc, à se parler, je pense qu'on se comprend, puis l'organisation, comme vous pouvez voir, sont là pour vous aider. Merci beaucoup. Merci. Maintenant que la glace est cassée, y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Si vous voulez, comme je mentionnais, vous nommer quel organisme que vous représentez en lien avec, ce n'est pas un débat de questions et réponses, on va essayer de répondre en temps réel, sinon on vous revient. Bon, alors mon nom c'est Charles Gauthier, nous sommes trois représentants de la coopérative de vélo La Déraille. Nous autres, c'est particulièrement dans le contexte d'un système de VLS à venir prochainement. On voudrait, je pense que l'essentiel du propos, c'est qu'on voudrait offrir notre collaboration. Moi, dans le fond, Désolé, je ne vous ai pas imprimé des petites feuilles, là. Je pourrais vous les envoyer par courriel. Alors, bonsoir, messieurs, dames du conseil d'administration de la STS. La coopérative de vélo La Déraille, fondée en 2013, a pour mission de favoriser l'utilisation du vélo urbain pour les déplacements quotidiens. Redit dans des mots des années 2020, nous sommes des promoteurs et miniateurs de transport actif et de mobilité durable. Avec nos 850 membres, c'est seulement 10 $ pour la cotisation, si jamais. L'atelier de la coopérative de La Déraille dessert principalement les gens de la communauté de l'Université de Sherbrooke qui nous accueillent et secondent, entre autres avec le Centre de mobilité durable. Mais avec ses nombreuses cliniques vélo aux quatre coins de la ville, d'autres clientèles se joignent à la coopérative et contribuent d'autant à élargir les utilisateurs de vélo. Nos cliniques les plus régulières ont été tenues au marché Saint-Élie, au jardin Fleury, à Estrières et même à Bishop University. Nos 850 membres sont des gens de toute occupation, pas seulement des étudiants. Et le principal intérêt de tous nos membres est l'utilisation du vélo et l'augmentation du nombre d'utilisateurs vélo. Nous saluons l'énergie et la clairvoyance des personnes à l'origine du projet de VLS au service de transport de Sherbrooke. Nous suivons les étapes de la venue du service de VLS avec le plus grand intérêt. Nous sommes particulièrement fiers que des gens de chez nous mettent tous les efforts pour bâtir un service moderne de mobilité
qui se répand partout à travers le monde grâce à l'expertise québécoise. Nous aurions beaucoup de questions sur ce qui vient. Nous offrons notre expertise et nos avis d'expérience utilisateur. Nous mettrons tous nos efforts pour collaborer à la mise en œuvre de ce pas ou premier tour de roue de ce géant de la mobilité durable. Là, moi, je m'étais mis vraiment plusieurs petites questions, puis c'est autant les combien, puis les qui, puis etc. Je vais vous en mettre deux dans le fond, puis dans le document, vous pourrez lire les autres. On s'entend que c'est un processus, on ne croit pas vraiment avoir toutes les réponses dès ce soir, puisque c'est quand même pas donné la hauteur de ce projet-là. Fait que c'est sûr que nous autres, on s'intéresse particulièrement à la proportion de vélos dits assistance électrique versus les vélos dits mécaniques, là, les 8 vitesses internes. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été envisagé dans le devis. On trouve que c'est important. Il y a beaucoup de nos utilisateurs qui utilisent des vélos mécaniques et puis surtout dans le contexte où la loi oblige le port du casque. On s'entend qu'à une station, s'il y a 5 vélos électriques et 2 mécaniques et que M. Dobson n'a pas de casque, il va prendre le vélo mécanique. Alors, c'est ça d'abord le premier usage, d'avoir des vélos mécaniques qui sont probablement certainement moins populaires, mais qui seront une deuxième roue utile. Alors, l'essentiel... la STS, on pourrait offrir notre collaboration, oui. Advenant là, les avis là, qu'on pourrait avoir là, sur certains aspects, là, parce que dans le fond, nous autres, on veut quand même vous offrir notre expérience. Puis la chose pour nous autres, la question principale, puisque c'est quelque chose qui relève du court terme, là, je ne sais pas s'il peut y avoir un prototype qui peut être fait rapidement. Je sais qu'à la fin du vélo, la STS a un kiosque qui sera probablement dédié au support à vélo, utilisation de l'autobus, tout ça. Mais il nous semble que ça serait le temps, je ne sais pas si ça serait de bon aloi de commencer à faire connaître le système de vélo en libre-service qui s'en vient. Ça a lieu le 18 septembre. Si on peut essayer des vélos tant mécaniques qu'électriques, c'est sûr qu'il faudrait que ce soit la STS qui la prenne en charge parce que vous avez un kiosque à cet endroit-là. Moi, c'est l'essentiel, à moins que vous avez... Merci, M. Grenier. Voici de répondre à certaines des questions. Oui, d'accord. Premièrement, le projet... a été initié par le Centre de mobilité durable de Sherbrooke, qui inclut des partenaires, entre autres l'Université de Sherbrooke, qui est là, et M. Patrice Cordeau, je pense que quand vous avez... J'ai lu votre courriel, puis je pense que c'est une bonne personne pour vous donner l'information. Il joue un rôle des plus importants, Patrice, autour de la table du CMDS, puis au projet VLS. On avait initié la démarche, vous vous rappelez, avec Vélectrique, conjointement avec Destination Sherbrooke pour tester le marché, à savoir est-ce que c'est vraiment un guibi, c'est-tu un vélo, c'est quel genre de véhicule qu'on pourrait utiliser. Et aussi, l'expérience a été des plus concluantes parce que les gens ont aussi répondu à un sondage sur l'appréciation du véhicule ou du vélo utilisé lors de leur essai. En lien avec la démarche jusqu'à date, on vient d'embaucher un coordonnateur pour s'assurer de la mise en place. Aussi, il y a eu des approches faites auprès de certains fournisseurs ou certaines personnes pour la commercialisation, parce qu'il y a des revenus qui sont attachés, là. Je pense qu'au point de vue utilisation puis au point de vue commercialisation, c'est entre 300 et 400 000 $ l'objectif. On est allé en appel de proposition pour l'acquisition. Donc, il reste à analyser la conformité de ceux-ci. Donc, ça chemine aussi. Il faut se rappeler que le mandat a été donné par le ministère des Transports ou la demande a été faite par la Société de transport de Sherbrooke. Donc, le porteur de ce dossier, c'est la Société de transport de Sherbrooke. Cette semaine, on a une rencontre de planifiés pour être à Québec, au réseau de transport de la capitale, oui, ou qui ont mis en place à vélo.
En mai dernier, j'étais là lors du lancement, tout ça. On a posé beaucoup de questions. Je pense qu'on doit se baser sur l'expérience récente de Québec en lien avec le déploiement qu'ils ont fait. Ils ont eu certaines embûches, donc on a eu un banc d'essai de façon gratuite dans ce secteur-là. Oui, surtout que c'était la FTQ, effectivement. Oui, et aussi, votre question en lien avec le nombre de vélos, initialement, ça va être tout relatif avec le coût d'acquisition qu'on va avoir, c'était 250 vélos à assistance électrique et 50 vélos traditionnels, qu'on pourrait dire. Puis, en plus des raisons que vous amenez, aussi, il y a des familles que les gens ou les jeunes ne pourront pas se conformer à utiliser le vélo électrique. Donc, puis il y a encore des gens qui veulent faire du vélo régulier, qu'on pourrait dire. Donc, ça fait partie de l'actualisation du plan d'affaires, ça va être sur le nombre de vélos. C'est un premier déploiement. Il faut juste rappeler, on a eu une subvention de 1,2 million. Il y avait une enveloppe totale de 8 millions auprès du gouvernement. Il faut se rappeler, Sherbrooke, c'est 2 % de la population du Québec. Donc, on a été très chanceux d'avoir tout près de 15 % d'enveloppe budgétaire. Ça fait longtemps qu'on parlait de ce projet ici à Sherbrooke, donc on a été récompensé. Et l'objectif, c'est pour l'été 2023 qu'on veut faire le déploiement. Il y a un projet qui va être présenté publiquement en lien avec le premier déploiement au point de vue les endroits stratégiques. Dans la vision, on parle d'être tout près de 800 vélos sur le territoire de Sherbrooke. Et ça fait pas mal le tour du dossier. Moi, j'ai oublié quelque chose, mais... on peut vous mettre... Louis-André va s'assurer de vous mettre en contact avec le coordonnateur, justement, du projet Vélo Libre Service. On s'entend que ORTQ, c'est un autre fournisseur de services. C'est sûr que ça nous donne une idée de qu'est-ce qu'il y en est de l'organisation, mais c'est quand même... un nouveau fournisseur de services en qui vous êtes en train de discuter, là, selon les appels d'offres. Oui. Puis je peux vous dire, l'engouement est là, autant des usagers, des partenaires potentiels. Puis votre nom a souvent été amené autour de la table du comité de pilotage, pour en être témoin. Là. Vous êtes comme un incontournable en Sherbrooke quand on parle de vélo. Donc, on s'entend que ça va être quand même un système de location. Vous faisiez l'exemple d'un... Là où on faisait un prêt de vélo là, gratuit, là, mais à partir du moment où ça devient une façon de se déplacer, il y a un seuil là, encore. Oui, puis comme les interrogations que vous pouvez avoir en lien avec la tarification, tout ça, on va se baser sur. On s'est basé sur qu'est-ce qui se fait, soit dans les grands centres, tout ça. Je pense que à la lumière du sondage qu'on a fait auprès des utilisateurs de vélo électrique, on a validé aussi notre stratégie au point de vue tarifaire, puis ça a été confirmé que ça semble à tenir la route aussi, là. En tout cas, je souhaite qu'il y aura éventuellement un prototype ou quelque chose qui pourra être... Si on l'aurait, il serait là en fin de semaine. C'est bon. Merci encore. Pour rêver. Puis on travaille aussi sur un projet en parallèle, aussi pour les gens à mobilité réduite. Ce serait intéressant de pouvoir les inclure aussi dans ce projet-là. Oui, dans le système de location, ça serait une première, effectivement. On travaille là-dessus. Merci. Merci de votre attention. Oui, excuse-moi, Joanie. Juste parce que c'est quand même nouveau, puis je fais un petit peu de publicité, là, mais le projet, le plan de déploiement du vélo libre-service a été présenté à la Commission de l'environnement et de la mobilité le 9 juin, puis tout est disponible en ligne sur le site de la Ville. Fait que si jamais vous voulez aller l'écouter, 15 minutes, je pense, ça prend. Puis ben, sinon, je pense qu'on est plusieurs qui seront à la fête du vélo ce dimanche. Donc, c'est un rendez-vous. Excellent, peut-être avec votre vélo. Au plaisir. Merci. Hey, merci encore. Bonne fin de journée. Bonjour, monsieur. Pour les gens qui ne connaissent pas, monsieur Éric Sanson, un usager du transport en commun et une personne qui venait sur une base régulière au conseil d'administration de la société de transport. Est-ce que vous êtes le fils de Madame Couture? Couture, hein, c'est ça. Et un partisan du Phoenix de Sherbrooke. Montréal. Canadien de Montréal aussi? OK. Merci. Ça
Bonjour, M. Tenon. Et ainsi que les membres, tu seras. Ce n'est pas pour tout à fait. Je reçois l'essentiel pour la base où tu peux. C'est tout pour moi, pas moi, que tu es mis pour ma petite, de l'organie de la CTC de la Haute-Année. En vrai, la base réduite. Mais de toi, à l'ESSC de la Haute-Année. Je suis une personne autonome et je suis capable à accepter ma part du banan. Je l'ai offert d'ailleurs, près de chez moi. Malheureusement, le dépendant n'offre pas la part réduite. Je travaille jusqu'à 2 heures et je, si tu dois aller sur la Haute-Année, ce n'est pas facile pour moi. Si je prenais le travail passé, je serais obligé de attendre et le temps d'accepter la part va me prendre quelques minutes. Ce n'est pas la première fois que je vous faire exactement. Pourrais-tu vous voir là, faire un procès pilote que je puisse avoir le respect de mon dépendant? Merci. Merci, M. Sanson. Premièrement, merci de vous être déplacé à la Société de transport. Ça nous fait plaisir de vous revoir ici. Et mon tout. Et premièrement, on travaille sur un projet de téléchargement qui devrait être en fonction à partir de l'automne. Vous allez être en mesure de télécharger des fonds sur votre carte à distance. Mais entre-temps, je m'assure que quelqu'un vous contacte pour qu'on trouve une solution entre-temps. D'accord? Il y a quelqu'un qui va vous contacter. Parce que moi, c'est important pour moi d'avoir... C'est important pour nous autres aussi. D'accord? Il y a quelqu'un qui va vous contacter. Ok, merci. Bienvenue. Bonne journée. Merci encore. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient être entendues? Oui? Bonjour, madame. Bien, bonsoir. Oui, bonsoir, sœur. Excusez-nous, ça fait longtemps qu'on t'entend. Bonjour. Il n'y a pas de fenêtre, on ne peut pas savoir. Oui, mon nom est Marisol Petit, je suis consultante en ressources humaines. Je ne sais pas si M. Deneau se souvient, on a jasé au téléphone au courant de l'été. On a eu le temps d'un appel rapide. J'ai eu votre contact et j'ai été choyée par Mme Lisette Lahaye, très connue de la région de secteur Sherbrooke. Secteur de Brompton. Principalement le secteur arrondissement Bromptonville. Qui a à cœur l'expansion de cet arrondissement. Je suis également en contact avec M. Louis-André Nault, si je reconnais bien. On s'est vu également en visioconférence, ainsi que votre chargé de projet, M. Jonathan Desroches. Pichet. Pardonnez-moi, ça fait beaucoup de noms à retenir. Ouais. Donc, je suis déjà aussi en parallèle en contact avec le CMDS pour faire avancer les choses. Malheureusement, c'est ça, c'était la période estivale, mais heureusement aussi, il faut prendre un peu de vacances et se reposer. Donc, j'attendais grandement ce premier CA pour vous parler d'une cause que nous avons à cœur. Moi, je suis consultante à ressources humaines, j'ai oublié de nommer, mais chez Manuna, qui est une jeune, c'est une PME qui existe depuis environ une trentaine d'années bientôt. On aimerait discuter avec vous, de l'horaire de l'autobus 51 qui se rend dans ce secteur-là, plus particulièrement de l'horaire de soir. Vous connaissez les enjeux au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, nos enjeux de rétention de main-d'œuvre également. Donc, moi, j'ai vraiment le souci, autant pour mon employeur que pour les employés, de faciliter l'accès au travail dans l'arrondissement Bromptonville, qui fait partie maintenant de la ville de Sherbrooke.
Donc, c'est malheureux puisque la bus numéro 51, l'horaire se termine à 23h02, si c'est correct. Et la plupart des quarts de soir, j'ai commencé à faire des investigations cet été, à contacter les petites PME, tout ça autour de nous dans l'arrondissement. Et c'est vraiment un enjeu de recrutement et de rétention, car les quarts de soir se terminent principalement au-delà de minuit. Donc, chez Malinor, c'est de 4h à minuit 30. Donc, quelqu'un qui ne possède pas de voiture se doit de refuser là, l'emploi. Puis, on a plusieurs candidatures qu'on perd comme ça, ce que je trouve dommage. Donc, voilà, c'était un peu... j'ai pas préparé de feuille. C'est ma première expérience en tant que CA. On m'a dit, allez là, vous avez 5 minutes. OK, je serais arrivée avec un document. Mais quoi que l'en soit, je pense que j'ai certains contacts. Le projet est quand même avancé, mais on veut votre appui, bien évidemment. Je comprends qu'il y a des enjeux financiers. Je comprends que vous aussi, vous avez une pénurie de main-d'œuvre, donc s'il faut d'autres chauffeurs, d'autres autobus, tout ça, on comprend tout ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres alternatives, d'autres choses qu'on pourrait regarder ensemble à plusieurs têtes? Puis moi, je suis à la recherche également de plusieurs personnes dans le parc industriel de Bromptonville pour m'aider, mais c'est moi qui vais chapeauter le dossier. Donc, pour éviter, c'est ça, des fois, c'est, tout le monde est débordé, tout le monde, c'est difficile d'avoir un peu de temps par-ci, par-là, mais Manunor vraiment tient à cœur, puis connaît Mme Lisette Lahaye également, puis vraiment, c'est un projet qui s'est déjà vu aussi dans le parc industriel de Sherbrooke, l'autre côté du carrefour de l'Estrie. Donc, est-ce qu'on peut reprendre déjà les bons coups qui ont été faits de ce projet-là, partir de ça, puis faire avancer les choses? C'est tout ce que... C'est bien Mme Pelletier, hein? Petit, excusez-moi. Oui, pas de problème. Marisol Petit. Madame Petit, premièrement, merci de vous être déplacée. Comme vous êtes merci de nous recevoir. Oui, puis comme vous pouvez voir, on répond quand même en temps réel. Je pense qu'on s'est parlé en dedans de 24 heures de votre appel. Là, et on s'est assuré aussi d'un suivi auprès de vous. Le circuit 51 a fait partie de nos discussions il y a quelques minutes à peine. Oui. C'est sûr que actuellement, on fonctionne toujours par déploiement qui se fait soit à l'automne ou au printemps. Ou au début de l'hiver, là, en janvier, je pense, là, qu'on annonce certains changements aussi. Il y a des demandes qui vont être adressées, qu'on a discutées en lien avec l'ajout de services pour les secteurs en périphérie. On parle de Brompton, Saint-Élie, Lennoxville et du transport à la demande. Quand on parle aussi du centre de mobilité durable, on travaille aussi avec des projets d'employeurs, de covoiturage. Et aussi, c'est stimulant de vous entendre dire que vous voulez travailler pour solliciter les autres. On a quand même aussi des programmes que certaines entreprises peuvent subventionner une partie du laissez-passer, les programmes employeurs qu'on appelle. C'est fort intéressant. Quand vous avez parlé des efforts qui ont été faits dans le passé, ces chocolats à la montagne, on pense que Louis-Dé, étais-tu là à l'époque? Pas Louis-Dé, Louis-André, étais-tu là à l'époque? Chocolat à la montagne avait un problème au point de vue transport en commun et aussi le déplacement de ses effectifs. Puis ça a été arrimé entre la STS et aussi l'organisation de l'entreprise qui a changé aussi, modulé ses quarts de travail, qui faisait en sorte qu'il finissait plus de bonne heure, commençait plus de bonne heure. Donc, il peut y avoir des alternatives pour l'intégrer. Mais c'est sûr que secteur Brompton, on entend parler beaucoup par une certaine personne qui s'appelle Mme Boileau. On n'a pas la nommer, mais... Donc, oui, ça fait partie, comme vous dites, des enjeux qui ont été discutés, puis on espère être en mesure de trouver une solution. Puis on est là pour faire du développement aussi, là. Excellent. Donc, contactez-moi. Moi, je peux offrir du temps. C'est sûr qu'on a notre plan de match aussi avec le CMBS, mais j'aimerais bien faire avancer les choses. Merci beaucoup. Merci de vous être déplacé, puis... Comme vous savez, on est facile à rejoindre. Oui. Merci. Donc, merci beaucoup. Ça vient de faire le tour de l'ensemble des interventions. Merci pour une première de saison été-automne. Merci. Oh, M. Duquette. OK, excusez-moi. En plus, il reste dans mon quartier, là. Parce que tout urbain, ils ont débarqué des personnes là chez moi vendredi passé. À quoi lundi passé, les personnes avaient une canne, pas urbain. Urbain, puis il n'y a pas de lac pour. Il n'y a pas d'ABC de trottoir. Il n'y a pas d'endroit. Je trouve ça très bien.
Merci. Si jamais vous avez la chance de me dire quelle heure puis quel autobus, Mme Croteau? La 4. Je vais partir lundi de la 4. Lundi, l'heure, c'est... L'heure, ça dépend. Ça va être 3-4h30. Puis on va s'assurer de féliciter le chauffeur aussi. Pendant le vendredi, on ne sait pas. Bien, merci beaucoup, M. Duquette. C'est bien. Merci, merci beaucoup. Donc, on s'est rendu, on reviendra à l'heure du jour, au point 5, résolution Ville de Sherbrooke, Société de transport de Sherbrooke, nomination de l'administrateur d'usagers du transport adapté et aux besoins des personnes handicapées, de l'administration de l'administrateur usager des services de transport en commun et l'administrateur usager de la communauté étudiante. Donc, en mai dernier, on a procéder à des entrevues suite à un concours qui avait été amené sur la place publique sur la recherche de candidats et candidates pour représenter ces trois secteurs d'activité-là parmi le comité de sélection des plus sélects qui avait Mme Laroche et moi qui faisait partie. On a été accompagnés par la FIM Raymond Chabot aussi dans la préparation d'entrevues et la présélection des candidats et candidates. Et ce soir, on a le privilège de vous présenter les gens qui ont été retenus. On commencerait par, au point de vue de transport adapté, une personne qui est connue, c'est Mme Dany Grondin. Malheureusement, elle est absente, mais elle est ici de façon virtuelle, par vidéoconférence. Et je pense que les membres du comité des usagers du transport adapté reconnaissent la pertinence et aussi... le travail qu'elle fait, donc, c'est on reconduit son mandat. C'est un mandat de 2 ans. Donc, Mme Dany Grondin, félicitations. Au plaisir de se voir en personne. Aussi, il y avait un autre membre qui venait en renouvellement, qui était le renouvellement d'un représentant au point de vue transport en commun régulier. On avait Éric Joannette, qui est Deslauriers, qui était représentant, puis on tient à le remercier encore une fois. Et je vais laisser la vice-présidente vous présenter le nouveau représentant pour le transport régulier. Donc, bien, qui est parmi nous ce soir pour la première fois, c'est Philippe Angers-Trotti. Fait que on a la chance, je pense, d'avoir quelqu'un qui a vraiment à cœur le développement du transport en commun, qui se déplace lui-même beaucoup à vélo en transport en commun. Donc, c'est un vrai usager de la STS. Alors, je suis certaine qu'il va pouvoir bien représenter les intérêts des usagers. Puis, je ferai pas une grande lecture de CV, là, mais qui a travaillé beaucoup dans le monde, à la fois communautaire, innovation sociale. Fait que je pense que c'est quelqu'un qui va avoir des préoccupations très intéressantes à amener au sein du CA. Merci beaucoup, Mme Laroche. Et l'autre représentant, bien, le nouveau poste qu'on a créé, puis je tiens à féliciter les membres du conseil d'administration là, pour l'ouverture, a créé le poste de représentant de la communauté étudiante. Autour de la table du conseil d'administration, il y a déjà eu une étudiante qui a siégé ici, mais elle n'était pas comme mandatée comme représentante de la communauté étudiante. Donc, c'est une première. Donc, on vous présente M. Guillaume Bernard, qui est étudiant à l'Université de Sherbrooke, un bac en études en environnement de l'Université de Sherbrooke, aussi en géomatique. Il est très impliqué avec la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke et aussi l'Association générale étudiante en sciences de l'Université de Sherbrooke. Donc, félicitations, M. Bernard, puis bienvenue à vous tous dans l'organisation de la Société de transport. Et Mme Grondin, bonne continuité. Merci beaucoup. On serait rendu au point 6, contrat de transport scolaire intégré 2022-2023. Mme Letarte-Lavoie. Oui, M. le Président. Donc, c'est tout simple. C'est le contrat là, scolaire pour le transport des élèves au réseau de transport en commun. Donc, on doit le renouveler. Il a pris fin le 30 juin 2022. Il faut le renouveler pour l'année 2022-2023 avec le Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke. C'est tout. Merci beaucoup. Et étant une première, je vais vous demander de m'excuser parce que dans les procédures maintenant, lorsqu'on nomme des membres du conseil d'administration, ceux-ci doivent porter serment. Vous déclarez sous serment que tout ce qui est énoncé dans le présent document est la vérité. Dites « je déclare sous serment ». Excusez-moi d'avoir omis de cette nouvelle procédure. Donc, est-ce qu'on peut vous entendre dire « je déclare sous serment » C'est quoi
C'est en lien avec, excusez-moi. Ah oh, oui, allez-y. Ah, OK. Oui, oui. En réalité, c'est un serment de confidence. Je pensais que vous deviez dire que tout était vrai. Non. Donc, c'est un serment sous la confidentialité, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, vous devez déclarer sous serment que tout ce qui est énoncé dans le présent document est la vérité dite « je déclare sous serment ». La sermentation est un geste important et soumise à des règles strictes. Ainsi, elle doit en tout temps être faite en présence du déclarant. En outre, un tribunal pourrait décider d'un serment et de sa valeur. Dans le cas ici, en étant un élu municipal, on est des commissaires à la sermentation, donc on peut faire la sermentation de façon publique. Donc, ce soir, c'est la sermentation donc, que vous mentionnez. Vous devez le déclarer que, sous serment, vous allez respecter cet engagement et vous signer le document. Je le déclare sous serment. Je déclare sous serment. Merci beaucoup. Ouf, on n'aura pas besoin de le faire avant 2 ans. Vous êtes privilégié première fois. Point 7. Entente avec l'école de Goéland, Mme Boileau. Ça va être sur une note un petit peu plus légère. Dans le fond, on vient entériner le contrat entre la STS et le centre Le Goéland de façon à permettre aux étudiants admissibles d'obtenir un laissez-passer mensuel avec un rabais d'environ 50 %, et ce, à partir du 1er octobre prochain, pour toute l'année scolaire. Donc, cette entente signifie une contribution de la STS de 2 000 par mois pour un maximum de 20 000 pour les 10 mois de l'année scolaire. Merci beaucoup. Et c'est une entente d'un an seulement pour s'assurer d'arrimer avec l'entente qu'on a avec le Centre Saint-Michel pour harmoniser l'ensemble des tarifs. On va aller vers plus la tarification qui serait la même que la tarification sociale pour avoir un seul unique tarif lorsqu'on arrive avec des organismes du genre. Point 8, tarification spéciale, Mme Bellerose. Oui, la semaine prochaine, à l'occasion de la semaine de la mobilité durable, la Société de transport de Sherbrooke souhaite reconduire son activité « Amène un ami ». Alors, pour 2 jours, soit les 24 et 25 septembre, qui sont les samedis et dimanches, pendant ces 2 journées, il suffit de présenter un titre de transport valide, que ce soit un laissez-passer ou un passage sur une carte rechargeable, par exemple, pour offrir un passage gratuitement à la personne qui vous accompagne. Donc, on vous invite à vous déplacer à deux. Et peut-être initier une nouvelle personne au transport en commun. Merci beaucoup. Point 9, rapport financier au 30 juin 2022. Madame Laroche. Oui, donc, je ne ferai pas le détail de l'ensemble, mais je vais vous parler de quelques points saillants. Là. C'est donc les 6 premiers mois de l'année. Une des bonnes nouvelles, c'est qu'on a eu une hausse de 11,6 % des revenus autonomes. Ça veut dire qu'on a un surplus par rapport à ce qu'on avait budgété de 507 249 $ quand même en revenus autonomes. Ça veut dire qu'il y a eu aussi plus d'achalandage. C'est surtout ça qui nous ravit le cœur. Ensuite, pour le reste, au niveau du transport urbain, c'est sûr qu'on ne se cachera pas qu'il y a eu des hausses importantes du coût du carburant. On a quand même des coûts supplémentaires de 870 000 $ pour la hausse de carburant. Mais en contrepartie, il y a des coûts d'entretien qui ont été moindres, des dépenses qui ont été moindres. Fait qu'on est quand même, il y a un écart favorable dans les dépenses de 364 000. Donc, ça vient diminuer les coûts supplémentaires du carburant. Puis au niveau du transport adapté, on a un écart favorable de 165 000, donc un surplus de 165 000, et des coûts supplémentaires, par contre, revenus liés à l'augmentation des coûts de l'essence de 56 000. Fait que tout ça, là, quand on met tout ça pour les 6 premiers mois de l'année, on est quand même dans un écart, là, quand on prend tout le cumulatif, de positif. On a comme un surplus par rapport à ce qui a été budgété, ce n'est jamais un surplus, mais de 523 945 $. Merci beaucoup. Points 10 et 11, on pourrait les traiter en même temps. C'est le même montant et pour les mêmes obligations. Donc, c'est un emprunt par émission d'obligations de 9 223 000 en date du 26 septembre 2022. C'est une résolution de concordance et de courte échéance. Et l'autre, c'est le règlement d'emprunt pour les émissions au même montant de 9 223 000 daté du 26 septembre. Ça touche une vingtaine de projets d'immobilisation. Donc,
c'est pour se donner justement les moyens de nos ambitions. Merci beaucoup. Point 12. Règlement numéro R004-3 modifiant le règlement intérieur numéro R004 sur le traitement des membres du conseil d'administration. D'entrée de jeu, là, je tiens juste à souligner, ce n'est pas une augmentation de salaire qu'on verse aux membres du conseil d'administration. Ça ne touche pas la présidence et la vice-présidence. Ça touche vraiment la répartition des salaires qui étaient versés sur les comités. Oui, en fait, c'est seulement une précision là, au niveau de la rémunération. Donc, il y a une indexation qui est prévue et elle n'avait pas été mentionnée lors de la révision du règlement. Donc, c'est seulement ça qui a été mis à jour. Donc, évidemment, on recommande de l'adoption de cette modification. Merci beaucoup. Point 14. Cotisation annuelle de l'Association du transport urbain du Québec, la TUC, pour 2022. Donc, que le conseil d'administration autorise la Société de transport de Sherbrooke à payer la somme de 131 498 à la TUC pour l'année 2022. C'est sûr que le montant peut sembler beaucoup, mais avec l'Association du transport urbain du Québec, on forme un regroupement d'achats qui fait en sorte que nous, la Société de transport, habituellement, on achète peut-être 5 à 6 véhicules par année, et on s'associe avec un groupe qui fait en sorte qu'on a un pouvoir d'achat entre 300 et 400 véhicules par année, qui fait en sorte que la cotisation est payée par elle-même juste sur l'escompte qu'on va chercher, entre autres sur l'acquisition des véhicules, puis aussi sur une multitude de choses qu'on acquiert. Puis aussi, ça nous donne une voix forte pour justement faire des revendications. L'Association du transport urbain regroupe 9 sociétés de transport et EXO. Donc, on déplace tout près de 99 % des gens qui utilisent le transport en commun sur le territoire du Québec. Merci beaucoup. Point 14. Colloque de l'Association du transport urbain du Québec. Madame. Ça m'a tellement bien. Oui, donc, les 19 et 20 octobre prochains, c'est le colloque de l'ATUC, l'Association du transport urbain du Québec. Puis, la conférence annuelle de l'ATUC du 23 au 26 octobre prochain. Donc, il y a quelques membres de l'administration et en plus de notre président qui vont s'y rendre. Donc, voilà. Merci. On attend de vos nouvelles. Des photos. Merci beaucoup. Point 15, dépôt du compte-rendu du comité de pilotage du CMDS, M. Louis Andréneau, qui représente la STS. Oui, en fait, c'est le dépôt là, de la dernière rencontre. Votre micro, s'il vous plaît. Excusez-moi. Alors, donc, c'est le dépôt là, de la rencontre du 26 avril. Les principaux sujets qui avaient été abordés, c'était les projets là, liés au covoiturage, le programme aussi de fidélisation sur lequel la Société de transport travaille depuis un certain temps et on sera en mesure de vous faire des annonces prochainement et la présentation du plan d'action là, pour l'année 2022-2023. Merci beaucoup, M. No. On s'est rendu au point 16, considération des soumissions reçues. Madame Bellerose. Oui, en fait, on vient déjà vous parler de déneigement. C'est pour vous inviter à profiter de cette dernière semaine d'été. En fait, ici, on vient simplement octroyer le contrat de déneigement et de déglaçage pour la station du Cégep à l'entreprise RSJ au prix de 88 530 et 75 $ taxes incluses, et ce pour une période de 2 ans. Merci, Madame Bellerose. Point 17, bordereau de correspondance. Peut-être M. Dobson nous résumer toutes ces bonnes nouvelles qu'on a reçues. Oui, tout à fait. La plupart, c'est des confirmations financières pour les opérations ou plusieurs projets. On a reçu aussi l'approbation de notre plan pour l'accessibilité universelle. Donc, c'est une bonne nouvelle. La MTQ a accepté notre plan. Et on a eu le rapport, dans le fond, des recommandations qui ont été émises par la vérificatrice générale de la Ville de Sherbrooke. Merci beaucoup. On sera rendu au message des membres du conseil d'administration. On va y aller avec les gens d'expérience. Madame Bellerose. D'expérience, merci.
J'ai pas de message spécifique, à part peut-être de vous inviter à la fête du vélo dimanche, à souhaiter la bienvenue à nos deux nouveaux collègues sur cette table, Philippe Angé-Trottier et Guillaume Bernard. Puis je suis très heureuse de l'ajout du poste étudiant qui vient vraiment compléter notre expertise. Il n'y a pas mieux qu'un étudiant pour nous parler de la réalité des étudiants. Alors, bienvenue à vous deux. Puis j'en profite aussi pour souhaiter une bonne rentrée aux étudiants, tant qu'à être dans la thématique. Alors voilà, bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Puis peut-être pour les gens qui nous suivent, malheureusement, en lien avec la présence en vidéoconférence, on ne pourra pas avoir le commentaire de Mme Belle-Rose, mais plutôt Mme Grondin. On irait avec Mme Boileau. On saute par-dessus mon collègue. Donner l'expérience. Ah, l'expérience, mon Dieu, je me sens vieille. Bon, bien là, Mme Belle-Rose, elle a presque tout dit ce que je voulais dire. Bien, fait que je ne vous souhaiterai pas la bienvenue. Je ne vous souhaite pas une bonne... Non. Bienvenue, je suis contente que vous soyez là. Puis je suis contente d'avoir un poste de représentant d'étudiant parmi nous. C'est une demande qu'on a eue depuis longtemps. Donc, c'est chose faite maintenant, on est content. C'est le jour de notre rentrée à nous. Je sais que la rentrée scolaire est faite depuis quelque temps déjà, là, mais nous, à la STS, on rentre. Donc, c'est notre rentrée. C'est ça. Puis, je suis contente aussi par rapport à nos chiffres d'achalandage, parce que ça va vraiment bien à la STS. On continue à augmenter nos chiffres d'achalandage. Donc, c'est une bonne nouvelle, puis on espère que ça continue comme ça. Merci. Merci beaucoup. Madame Laure Letarte. Franchement, je fais son coton. Donc, je voulais moi aussi en profiter pour souhaiter bienvenue parmi nous, Philippe et Guillaume. Très contente de vous avoir. Je pense qu'on est dans une période où il y a beaucoup de chantiers à l'STS, à l'avance, c'est dynamique, c'est le fun. Fait que je pense que vous allez avoir du plaisir avec nous, j'espère en tout cas. Je voulais revenir là aussi, comme disait Joannie, là, c'est la semaine de la mobilité qui commence la semaine prochaine à partir du dimanche 18 septembre. Donc dimanche, je veux juste dire, c'est la première cyclovia à Sherbrooke. Donc on bloque les rues sur la rue King de Jacques Cartier à Belvédère. C'est le temps de venir s'approprier la rue en vélo, en patin roulier, en skate, ou juste à pied, là c'est correct. Puis il va y avoir de la danse, il va y avoir des ateliers, il va y avoir plein d'artisans sur la rue. Ça va être vraiment un bel événement. C'est pas juste on passe en vélo puis c'est ça. Donc je vous invite à venir. En grosse gang. Puis il y a aussi il va y avoir un défi sans auto solo. Fait que je vous invite à aller voir là, sur le site là, de la semaine de la mobilité. Je pense que ça c'est intéressant. On essaye d'encourager les gens à utiliser le transport actif. Fait que avec une petite compétition amicale des fois entre collègues, ça peut nous motiver et nous faire embarquer pour la suite. Donc je vais vous laisser aller voir le calendrier, mais il y a quand même des activités intéressantes. Alors je voulais inviter tout le monde à participer. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Monsieur Bernard, êtes-vous prêt à briser la glace? Je peux briser la glace. Moins de choses au calendrier pour de mon côté. Je ne suis pas trop au courant de ce qui se passe dans tous les milieux scolaires, mais je tiens à remercier de l'accueil chaleureux de toute l'équipe. Là. Vraiment été heureux d'être là ce soir. Vraiment heureux de commencer un nouveau mandat aussi comme représentant de la communauté étudiante de partout. Je tiens à dire, on a mentionné que je venais de l'Université de Sherbrooke, mais aussi je suis là pour représenter les autres personnes des autres institutions. Donc, très hâte de commencer et pouvoir de mettre en place là, justement des instances décisionnelles là, pour que ces gens-là un porte-parole là, qui va être au CA. Puis, merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Angé-Trottier? Oui, bien, merci beaucoup au comité de m'avoir choisi. Je suis très honoré de faire partie du conseil d'administration. Le transport en commun, ça a toujours fait partie de ma vie. Ça fait pas longtemps que je suis à Sherbrooke. Puis, un des critères dans notre recherche de nouveaux milieux de vie, c'était l'accessibilité des transports en commun pour ma famille et moi. C'est quelque chose que je veux transmettre à mes enfants. Et c'est ça, je suis vraiment très honoré d'avoir été choisi pour ce poste-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente. Merci. Bien là, c'est ça, en passant en dernier, tout le monde a dit tout ce que je voulais dire, mais je vais faire du pouce sur le fait que je suis vraiment contente d'accueillir les nouveaux membres, autant membres étudiants, Philippe, notre nouveau membre au transport en commun, puis aussi Mme Grondin, même si elle n'est pas là, je pense qu'on apprécie vraiment aussi qu'elle reste parmi nous, qu'elle a un très bel apport dans l'équipe. Je suis contente aussi,
sais, je vais y aller comme ça. C'est pas un message que j'avais préparé, mais je suis contente de voir qu'il y a autant de monde que ça aujourd'hui. Je trouve ça le fun, ça met de la vie, ça nous invite à grandir le plus rapidement possible aussi. mais je tiens à souligner que ça nous donne beaucoup de jus. Tu sais, on a besoin aussi de la part des gens, des suggestions. Ça nous aide aussi à voir quelles sont les choses qu'on peut encore améliorer. Fait que je vous invite à venir. C'est quand même, je pense que c'est quand même agréable. On a plein de beau monde dans la salle. Fait que venez en grand nombre, c'est super apprécié. Puis ça nous fait passer des meilleurs moments encore plus, comme membre du CA. Puis je rajouterais peut-être pour la fête de la Cyclovia, c'est ce que je voulais aussi mentionner. Je voulais quand même dire que c'est vraiment issu de l'initiative de citoyens qui se sont mobilisés puis qui ont mis tout ça en place. Oui, après ça, il y a eu un support de la ville. Je pense que plein d'acteurs sont joints, mais c'est quand même, ça émane de citoyens et citoyennes qui ont pris ça à bout de bras. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement aussi. Il y a des campagnes de sociofinancement. Bref, je tiens à les féliciter parce que c'est grâce à eux qu'on va avoir notre première Cyclovia. Et c'est donc encore plus important qu'on y aille en grand nombre pour que l'année prochaine, on soit capable de convaincre la ville et d'autres acteurs d'embarquer pour faire un projet encore plus gros que cette année. Fait que venez en grand nombre. Merci. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente, Madame Laroche. D'entrée de jeu, on a félicité les gens qui ont été nommés. Je pense qu'il faudrait aussi remercier les gens qui ont postulé. On avait de très bonnes candidatures. Ça a été fort intéressant de les rencontrer. Et on leur souhaite meilleure chance la prochaine fois. On l'espère pour eux. Je tiens à féliciter l'organisation. Madame Croton en a parlé là, en lien avec la cyberattaque qui est survenue. L'ensemble de l'organisation, on a senti une mobilisation, puis aussi la dynamique de vouloir travailler à l'innovation, puis être créatif, à trouver des alternatives pour s'assurer de maintenir le service, autant au point de vue transport adapté que le transport régulier. Donc, moi, je pense que c'est le signe d'un leadership qui est fort de l'organisation. Donc, c'est pas juste une personne, c'est plusieurs personnes, mais félicitations à vous tous. Je pense que nos usagers l'apprécient grandement. Là-dessus, merci beaucoup et bonne fin de soirée.